par le Saint-Esprit. Amen. Oui, je vis laisse conduire par le Saint-Esprit. Souvent, ça ne vient pas de toi, mais tu as envie de faire du mal à quelqu'un. If it does not, il est là, tu as envie de lui faire du mal, tu l'aimes pas. What you have in mind, ils sont là, ils ne t'aiment pas. Ils sont là, mais ils t'aiment pas. Ils n'aiment pas te voir. They don't like seeing. Ils sont pas contents. They're not happy. Ils n'ont pas envie de te voir. They don't want to see you. Amen. Amen. Tiens, quelqu'un, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est someone you need your spirit. Amen. Moi, j'ai peur d'être animé par une pensée négative. I'm afraid to be. Je veux jamais to have a negative que ma pensée soit contrôlée par une autre pensée négative. Pensée. Comment l'autre le dit controlled. Si tu laisses ça, aspect. Tu finis par être sorcier. And if you do it, c'est qu'on fait là. You can c'est le fruit de nos pensées. The fruit of our c'est thoughts. What we are doing is the fruit. Tu vas à Abidjan, ça potentialise dans la pensée. C'est pas levé comme ça. C'est le fruit de nos pensées. It's what you think. Donc, laissez pas vos pensées contrôlées par des pensées négatives. Negative. Si c'est toujours contrôlé par les pensées négatives, et c'est ce que tu fais. If it is already controlled, ça veut dire que c'est un esprit du mal qui t'anime. You have a bad spirit in you. Donc, sois délivré. So you have to be cherchez rempli du Saint-Esprit. Amen. Oh, on a le Saint-Esprit. Alors, comme je disais, on a le caractère de Jésus. We have the personality of Jesus. On est attiré par tout ce qui appartient à notre Père. Ça veut dire on aime la prière. We really are interested. Amen. In everything. On s'intéresse à la prière. Like prayers. On s'intéresse à l'œuvre de Dieu. God's action. On est prêt à s'investir dans l'œuvre de Dieu. Ready on se sent concerné par l'œuvre de Dieu. Une chaise de passer l'église. On s'est dit c'est notre chose. On balaye le temple de Dieu. Sweeping. On s'est dit c'est notre chose. Or quand tu n'es pas concerné par l'église. If you're not concerned. Ça veut dire que c'est pas l'esprit de Dieu. Exactly. Amen. The spirit of God is on cherche à aimer son semblable, créé à l'image de Dieu. C'est ça. Created at the image of God. On cherche toujours à faire la volonté de Dieu. On cherche toujours à plaire à Dieu. Looking voilà. Trying to et non, rempli du Saint-Esprit. God's will. Amen. Or, c'est vrai qu'on est rempli du Saint-Esprit. Mais Dieu aimerait qu'il y ait encore un autre pas à franchir. C'est avoir la vision du Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Say amen. Oui, on a le Saint-Esprit. We have on est rempli du Saint-Esprit. We feel avoir the la vision du Saint-Esprit. And vous savez, quand on a le Saint-Esprit en nous, on a le caractère de Jésus. We help on manifeste le caractère de Jésus. Mais en même temps, Dieu aimerait que nous ayons sa puissance. But God wants us to have his power. Dis amen. Amen. Dis amen. Say amen. Parce qu'on a la puissance de Dieu. We have the frère, quand tu as la power de Dieu, Dieu te donne la possibilité d'avoir l'autorité. C'est-à-dire, quand quelqu'un te parle, when someone is talking, ceux qui ont les esprits malins, those who have bad spirits, ça pèse. Baleful spirits, come down. Quand on a la puissance du Saint-Esprit, we have the power of the Holy Spirit. Parce que je vous disais tout à l'heure, si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du mal. Vous voyez les gens qui entendent parler, ils sont remplis d'un esprit de mal. Et les gens parlent, mais ils ont un raisonnement démoniaque. People are talking. Tu te dis, mais est-ce qu'un être humain peut raisonner comme ça de façon de parler? Quand tu es rempli du Saint-Esprit, l'esprit qui est en lui, qui est un esprit du mal, obligé de se soumettre à bad spirit, parce qu'il voit quelqu'un qui a plus fort que lui. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus-Christ, qu'il est revenu du désert, est venu remplir la puissance d'en haut. Tu as besoin de la puissance d'en haut. You need pour que tes collègues de service puissent te respecter. Quand tu viens, cette présence en toi neutralise le pouvoir satanique. Les esprits sataniques. Quand tu commences à parler, l'esprit de la sorcellerie familiale oblige de fermer la bouche. Quand tu as la puissance de Dieu, c'est ce qui se passe. Pendant que les démons parlent, tu as le pouvoir et l'autorité sur les démons. Et pas la puissance de Dieu. C'est vrai que le petit démon te poursuit, il t'attache, fait piège. Qui est un piège, on est rat. In the trap, il te mange. And eat you after. La puissance de Dieu. You don't have the power of God. Ton petit avant les 4 ans. A small kid of 4 years. Il te reste en un poulet de chair. Il te mange avant un beau diamant. Tu n'as pas la puissance de Dieu. And kill you. So you don't have the power. Quand on a la puissance de Dieu. When we have the power of God. Dieu nous donne l'onction. God can give you an onction. Cette onction. That anointing. Nous permet de calmer. Can permit you. De sortir. Amen. To stop. And to chase the devil. Tu vois la puissance de Dieu. You need the power. Vous me regardez. Quand vous avez la puissance de Dieu. When you have the power. Dès que vous rentrez à la maison, il y a une situation. When you enter quand vous prononcez house, une parole, situation, la situation change. La situation change.
C'est ça que Jésus a dit aux disciples, restez ici. Jusqu'à ce qu'il vienne sur vous la puissance d'en haut. Jusqu'à ce qu'il vienne sur vous la puissance d'en haut. Quand quelqu'un a la puissance d'en haut, le Saint-Esprit, quand vous rentrez dans une maison, dans une famille, if you have the Holy Spirit, then vous pouvez régler le problème. Family, you can regulate. Il dit, vous serez mes témoins. The problem. La situation se règle. Une maladie se présente. Dieu te donne cette capacité de régler le problème. Un cancer. Dieu te donne la possibilité de guérir le cancer. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Dites-moi la puissance du Saint-Esprit. You need the power of the Holy Spirit. Amen. Alléluia. Un démon attaque ton fils, te lève pour le démon. Nous prenons la parole de Dieu. S'il vous plaît. God's word. Nous allons lire un peu la parole de Dieu, s'il vous plaît. Nous prenons acte, Luc, le chapitre 4. Luke chapter 4. Le verset 31 en 37. Verse 31. Le seul problème, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Le 31 34. Tu crois? Le chapitre 4. Le 31 37. On y va rapidement. Verse 31. On y va rapidement. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Amen. Il nous faut le Saint-Esprit. Alléluia. Il nous faut la puissance du Saint-Esprit. Il est descendu à Capernaum. He went down to Capernaum, ville de la Galilée. A city in Galilee. Et il enseignait. And he was teaching. Quand Jésus est quitté dans le désert, il fut rempli du Saint-Esprit. Il va descendre en Galilée. Il va rentrer dans le temple pour commencer à enseigner. He started teaching. Le jour du sabbat. Amen. Puisque le maître du sabbat. On était frappé de ça. They were astounded. Car il parlait avec autorité. Because he was. Les gens ont commencé à voir un autre ministère. Ils étaient frappés par sa doctrine, mais il parlait avec autorité. D'ailleurs, on sentait une notion dans ce qu'il disait. Il y a quelque chose de fort qui se dégageait dans son ministère. Because c'est pour ça que ceux qui m'écoutent, si vous voulez avoir un ministère puissant, if you like to have, il vous faut la puissance de Dieu. Ministry, you need the power of God. Et il y a toujours un prix à payer. Ceux qui dégagent l'onction ne sont pas des hommes de prière. Les hommes de prière. Qui prient dans le secret des hommes de prière. Attaqués au jeûne et la prière. Mais les hommes de prière. Allons-y. Il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon. Et quand on a la puissance de Dieu, on règle tous les problèmes spirituels qui se présentent à nous. We can solve all the situations, spiritual situations. Il a reçu la puissance de Dieu. Il y avait un petit démon dans la salle. Et regardez comment Jésus a résolu le problème. Et il s'écria d'une voix forte. And he cried out with a loud voice. Ah! Qui a-t-il entre nous et toi, très Jésus bien. De Nazareth? Let us alone. What have you? What do you do? Jésus est la puissance du Saint-Esprit. Le gars qui était possédé parmi toutes ces personnes a commencé. L'esprit a commencé à parler. Il y a quel rapport? Il a commencé à avoir peur. Vous voyez comment il est la puissance de Dieu. Le démon a peur de vous. C'est ça qu'il faut la puissance de Dieu. Même dans ton service, tu vas voir que les démons, ceux qui vont commencer à t'attaquer, ils vont peur de toi. Dégage, j'ai la puissance de Dieu. Il te faut le Saint-Esprit. La puissance de Dieu. You need the Holy Spirit. Ton mari te persécute, il te faut le Saint-Esprit. Pour calmer son esprit. Your husband is living in you. You need la puissance du Saint-Esprit. You need the power. Ta femme est bizarre, il te faut la puissance du Saint-Esprit. You need the power of the Holy Spirit. C'est la puissance. The power. Allons-y. Tu es venu pour nous perdre. Je sais have qui you tu come to destroy us? Je sais qui tu es. Alléluia. I know who you are. Amen. Amen. Et je sais qui tu es. I know who you are. Pas présent de dire aux démons. Les démons vous insultent et vous tapent. Et je sais qui tu es. I know who you are. Quand tu as la puissance du Saint-Esprit en toi, les démons sont obligés de se soumettre, de reconnaître ton autorité. Amen. De reconnaître ton autorité. Il dit à Jésus, je sais qui tu es. He said to Jesus, I know who you are. Un petit démon à ta gauche, enfant, vous les chassez. Ces démons disent, tu me chasses. I know who you are. Je connais parce que c'est des fois chiffre. Et puis la chiffre, le démon. Pas là. On a séparé de les délivrer. Comment tu peux délivrer des démon? Ça, ça. Des démons maillent son doigt. How can you deliver this boy? Je regarde. Qui crie? C'est le pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Son doigt est dans la bouche du possédé.
suis venu séparer et puis j'ai délivré. J'ai délivré les deux. Parce qu'en levant le doigt, les personnes étaient délivrées. Alléluia. Amen. Quand on a la puissance de Dieu, le démon dit à Jésus, je sais qui tu es. Le démon said, je sais qui tu es. Amen. Et tu n'as pas l'autorité, la force de Dieu. You don't have that authority. Que les démons jouent ton foyer. Les démons jouent tes enfants. Ils viennent bosser tes enfants. Ils viennent jouer ton mari. Ils viennent jouer parce que tu n'as pas cette force. Because you don't have that strength. Donc quand tu rentres, ils ne voient pas une autre force qui domine leur pouvoir. They don't see another strength. Il a dit à Jésus, je sais qui tu es. Regarde la réaction de Jésus. I know who you are. Jésus le menaçant disant, Jésus but Jesus rebuked him, saying, tais-toi. Be silent. Alléluia. Tais-toi. Quand on a la puissance de Dieu, on fait taire le diable. Alléluia. Jésus, tais-toi. C'est vous qui devez calmer le diable de vos foyers. C'est vous qui devez calmer le diable dans vos services. C'est vous qui devez calmer le diable dans vos familles. Dans vos villages, c'est vous. Jésus dit, tais-toi. Be silent. Et sort de cet homme. Et sort de cet homme. Amen. 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 On ne discute pas le diable. On ne discute pas lui. Dit tais-toi et sort. Sortez. Dégage. Out. Away. Vous devez attaquer le diable dans vos foyers. You have to attack. Vous devez attaquer le diable dans vos maisons. Your houses. Vous devez libérer vos maisons. Vous devez libérer vos enfants. Tu vas libérer ton époux, ton épouse. Your husband, your wives. Amen. C'est pour ça qu'il te faut la puissance de Dieu. Need the power of God. C'est le problème. Satan vient jouer dans nos foyers. Satan vient jouer dans nos maisons. Satan vient s'amuser avec nos enfants. Tout le monde est possédé. Our kids. Il joue sur nos territoires. Parce qu'il ne voit pas en toi l'onction de Dieu. Tu n'as pas le pouvoir du Saint-Esprit. Il n'a pas la puissance de Dieu. You need the power of God. Il te faut la puissance de Dieu. You need the power of God. C'est ça? Il te faut la puissance de Dieu. C'est ça? Ouais. J'aime bien ce mon fils. Ma fille, tu viens d'un funérail, c'est ça? Il te faut la puissance de Dieu. Il va consoler ton cœur. Il va te bénir davantage. Il va te faire entrer dans une autre dimension. La puissance de Dieu. Il te donnera encore de comprendre la voix juste de soi. Les discernements. Et l'onction même pour chasser. Et de guérir même la malade. You need the power of God. Il te faut la puissance de Dieu. You need the power of God. Il te faut la puissance de Dieu. You need the power of God. Il te faut la puissance de Dieu. You need the power of God. Si y a quelqu'un qui te faut la puissance de Dieu. There's someone who needs the power of God. Papa, ton Dieu. Il te faut la puissance de Dieu. You need the power. Come! I command. Come! I command. Il te faut la puissance de Dieu. You need the power of God. Il te faut la puissance de Dieu. Come on! Tiens, quelqu'un te faut la puissance de Dieu. Someone you need the power of God. Tiens, quelqu'un te faut la puissance de Dieu. You need the power of God. Tiens, quelqu'un te faut la puissance de Dieu. You need the power of God. On se tient tous à nous. Nous allons tous prier. Nous allons réclamer la puissance de Dieu. Alléluia, nous levons tous la main. Nous réclamons la puissance de Dieu. Nous réclamons la puissance de Dieu. Nous prions, nous prions, nous prions. Dis à Dieu, remplis-moi de ton esprit. Nous prions, le Seigneur. Nous prions. Il nous faut la puissance de Dieu ce matin. Il nous faut la puissance de Dieu. Il te faut la puissance de Dieu ce matin. Il te faut la puissance de Dieu. Oui, Dieu mérite que tu sois rempli. Il dit j'entends que Dieu a envie que tu sois puissant. Il nous faut la puissance de Dieu afin de confondre, de détruire le royaume du diable autour de nous. Afin d'imposer le règne de Dieu. Afin de poser le règne de Dieu. Afin de poser le règne de Dieu. Afin de poser le règne de Dieu. Il te faut la puissance de Dieu. Là où tu as été. Voilà là où tu as resté ce matin. Là où tu as resté ce matin. Reçois.
Receive the power.